Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Et est-ce que vous pouvez vous présenter? Ah oui, merci bien. Je m'appelle Georges Nirindi, de nationalité congolaise. J'ai travaillé comme officier à la sécurité rapproché du président Laurent Désiré Kabila. Je suis natif de Bukavu au site Kivu, précisément à Katana. Merci bien. Il y a quelques mois, un documentaire est sorti, et c'est le documentaire d'Arnaud Zeitman qui a tué Laurent Désiré Kabila. Est-ce que vous avez vu le film? Oui, effectivement, j'ai suivi le film, parce que j'ai tout intérêt de suivre ce film, tellement ça parle d'un problème que j'ai subi. J'ai bien suivi le film, comme tout le monde. Bon, c'est une bonne chose, mais quelles sont vos impressions par rapport à ce film? Oui, le film reprend de vieilles histoires. Arnaud Zeitman, il dit avoir fait des enquêtes, ce qui n'est pas vrai. Il n'a pas fait des enquêtes, puisqu'il a repris mot à mot les résultats, les propos de Charles Alamba. Charles Alamba, c'est lui le colonel auditeur de la cour d'ordre militaire qui nous a injustement condamnés. Injustement condamnés sur des bases qui ne sont pas fondées. Voilà donc mes impressions sur les conclusions de M. Arnaud Zeitman, et qu'il n'y a rien de consistant dans tout ce qu'il a dit, puisqu'il n'a fait que prendre les versions de la cour d'ordre militaire du début jusqu'à la fin de tout ce qu'il disait là. Voilà un peu en général la façon dont je trouve ce que M. Arnaud Zeitman a dit. Au lieu de baser ses versions sur des faits réels liés à l'assassinat lui-même, il a pris les images et les archives de cette cour d'ordre militaire pourtant décriée. C'est sur base de ces faits que lui, Arnaud Zeitman, a fondé sa conclusion. Et voilà pourquoi nous qui avons besoin d'un procès juste et équitable, j'estime que ce n'est pas vraiment les conclusions qui doivent sortir de ces dossiers que nous attendons impatiemment. Mais pourtant, dans les films, on parle d'un procès verbal, par exemple, dans lequel vous dites... toujours, vous affirmez que vous direz quelque chose demain, et le lendemain vous êtes évadé. Pourquoi? Oui, vous voyez donc ces montages, ces mises en scène de demain, exactement c'est quoi? Demain. D'abord, il dit que Georges Mirindi avait avoué les crimes un jour avant son évasion, ce qui est déjà faux et archi faux. Il dit que Georges Mirindi avait promis de dire les détails demain, et au lieu de donner les détails demain, Georges Mirindi s'est évadé, selon ses propres termes, au petit matin. C'est quoi au juste? J'ai avec moi ces papiers que quelqu'un, je ne sais pas si c'est un militaire, un officier. Évidemment, malheureusement chez nous au Congo-Kinshasa, il y a cette habitude politique de faire des montages, des mises en scène pour cacher, pour couvrir la vérité. Nous tous, nous avons suivi, vous et moi, nous avons suivi comment est-ce que dernièrement, lorsque on a tué le célèbre homme, monsieur Floribert Chebeya, le général John Numbi et Jean de Dieu Oleko, ils ont fait un montage d'un communiqué qui est exactement le même comme celui que monsieur Arnaud Zeitman a fait lire dans son film, où il donnait des versions entre parenthèses autour des circonstances qui ont conduit à la mort, selon un, de Floribert Chebeya. C'est demain là, c'est du pire montage, c'est vraiment des mises en scène. Il dit que dans ce demain là, il dit que Georges Mirindi a promis de les détails demain à cause de sa santé qui ne lui permettait pas. Un malade, peut-on imaginer un malade qui sait qu'il va guérir demain? Au fait, c'est quoi ces histoires? Les papiers que quelqu'un est en train de lire, c'est des papiers
qui sont datés du 22 janvier. Du 22 janvier, s'il vous plaît, du 22 janvier 2001. L'évasion à laquelle fait allusion M. Arnaud Zeitmann a eu lieu la nuit du 27 au 28 du 27 au 28 février 2001. Entre la date de ces papiers auxquels se base Arnaud Zeitmann et la date de ce qu'il appelle évasion, il y a plus de 30 jours, s'il vous plaît. 36 jours, si j'ai bien compté, du 22 janvier au 27-28 février. 36 jours. Mais Arnaud Zeitmann, comme tout malin, il arrondit malignement 36 jours en moins de 24 heures. Allez-y comprendre ceux qui veulent comprendre que la vérité n'est pas là. Comme l'a bien dit l'un de nos célèbres musiciens, Lokuta et Yaka na ascenseur, vérité et na escalier ben commis. Cette histoire, l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila, a été déformé. On a caché la vérité, on a habillé les crimes au kivoussier. Ils se sont imaginé un scénario où ils disent que le présumé assassin c'est Rachidi. Ils n'ont ni prouvé ni démontré que réellement c'était lui qui a tiré sur le chef de l'État. Ils n'ont jamais montré, ils n'ont jamais prouvé, ils n'ont jamais démontré que c'est exactement celui qu'ils appellent assassin, que c'est lui qui a tiré. Oui, monsieur, mais on parle effectivement, je ne sais pas si vous avez suivi le procès, parce qu'on parle de certains rapports, des experts, des traumatologues, des cardiologues, des balisticiens. Est-ce que vous en savez quelque chose? J'ai suivi, comme beaucoup, ceux qui ont suivi ces procès à Kinshasa connaissent bien les versions de M. Arnaud Zeitmann, qui sont des mises en scène que les pouvoirs de Kinshasa a imaginé, a inventé pour essayer de cacher la vraie vérité. Si nous pouvons revenir sur les lieux du crime, avant d'en arriver au rapport des experts, lesquels rapports sont très importants pour quiconque veut aboutir à la vérité. Au lieu du crime, il y a le seul témoin, M. Émile Motta. M. Émile Motta, dans ses dépositions, dans ses témoignages, il s'est étrangement contredit. Il a donné plusieurs versions, il n'a pas pu expliquer exactement ce que lui a vu directement. Il disait aujourd'hui ceci, le lendemain il changeait. Ces contradictions n'ont fait que contribuer à alimenter les rumeurs, à alimenter les flous et à alimenter la confusion. Les experts ont donné des rapports en rapport avec ce que, en tant qu'experts, ils ont vu le corps du président. Ils étaient sur les lieux du crime. Les experts cardiologues, par exemple, ils ont montré que l'aorte du président était coupée. L'aorte, c'est une voie sanguine. L'aorte était coupée, les jugulaires étaient coupés. Mais il est étrange que les deux voies sanguines aient été coupées et qu'il n'y ait que des gouttes de sang. Des gouttes de sang alors que l'aorte et les jugulaires sont comme des tuyaux qui conduisent le sang. À la seconde où ils étaient coupés, le sang devrait se déverser hors du corps du chef de l'État. Et ça ne se comprend pas que les deux voies là, que les deux voies sanguines aient été coupées, mais il n'y a pratiquement pas du sang qui est visible. Ça, c'est d'abord les rapports des experts cardiologues. Il y a le docteur Macha Komamba qui a administré les premiers soins. À son entrée, il était juste à côté, en train d'attendre audience. Le docteur Macha Komamba, à l'époque, il était le ministre de la Santé. À son entrée là-bas... Pourtant, lui est pédiatre. Il est pédiatre. Quand il est entré dans la salle, il a vu des gouttes de sang derrière l'oreille du président. Derrière l'oreille. Les gouttes de sang étaient déjà coagulées. Le sang ne peut pas se coaguler en une minute. C'est impossible. À part les rapports des cardiologues concernant le sang
qui a prouvé, les cardiologues ont démontré que l'aorte et les jugulaires étaient coupées lorsque le sang ne circulait plus. Il y a aussi les rapports des experts en balistique. Les experts en balistique ont démontré que puisque dans le corps du président, il y a jusqu'à cette heure une balle qui est restée l'an dedans. Et selon le témoignage de M. Émile Mota, que l'assassin présumé aurait tué le président en tirant à bout portant, à moins d'un mètre, la distance qui séparait le présumé assassin du président. Une distance de moins d'un mètre. Les experts en cardiologue, et moi je suis du domaine militaire, je sais aussi, et Joseph Kabila le sait très bien, que tirer à bout portant avec l'arme supposée être possédée par Rachidi, on ne peut pas tirer sur quelqu'un et l'arme restait dans le corps à bout portant. La balle ne pouvait pas rester dans le corps si cette balle-là qui est restée dans le corps, si elle était tirée par les tireurs que décrit M. Émile Mota. C'est une situation étrange. Et nous avons toujours revendiqué qu'il y ait de bonnes enquêtes, une commission d'enquête libre et indépendante. Sous les tortures, j'avais plaidé pour cette commission. Je m'adressais à Nono Lutula qui présidait l'une des commissions d'enquête. Je lui disais que s'il vous plaît, une commission tribale n'est pas celle qui peut enquêter sur la mort d'un chef de l'État. Constituer une commission libre et indépendante qui va mener des enquêtes crédibles afin de faire un procès juste et équitable. Ils n'ont pas voulu. Et puis aujourd'hui, ils donnent des versions juste pour cacher la vérité. Voilà donc, à part le fait que les experts cardiologues ont montré que le sang n'a pas coulé, ce qui n'est pas possible. Les experts en balistique ont démontré que les balles tirées n'ont pas seulement été tirées de gauche vers la droite. Il y a eu aussi des balles, une ou deux, tirées de la droite vers la gauche, selon les rapports, ceux qui ont vu le corps du président. Or, Émile Mota n'a parlé que du tireur qui aurait tiré à partir de la gauche du président. Les experts en balistique ont démontré qu'il y a eu aussi des balles tirées de tous les deux côtés. Des tirs croisés. Alors, les contradictions de M. Émile Mota révèlent que quelque chose a commencé à être caché à partir du lieu du crime. Ce qui est beaucoup plus étonnant encore, ils disent que l'assassin présumé c'est Rachidi. Mais Rachidi, où est son arme? Une question. Cette arme-là, c'est un élément sine qua non aux enquêtes. Je me rappelle que durant les procès, cette question n'avait pas trouvé de réponse. Qui a caché l'arme du crime? La disparition de cette arme du crime est directement liée aux contradictions de M. Émile Mota. La disparition de cette arme est aussi liée à la mort qu'ils ont donnée à celui qu'ils appellent l'assassin. Ils appellent cet homme l'assassin. Ils n'ont même jamais donné le nom de cet homme jusqu'à cette heure. Ils ont toujours dit Rachidi Kasereka, ce qui est faux. Celui-là, c'est mon collègue, nous savons tous ses noms. Jusqu'à cette heure, M. Joseph Kabila n'a jamais donné le nom, le vrai nom de celui qu'ils appellent l'assassin. Moi, j'attends à ce qu'ils disent d'abord le nom de cet homme, que les Congolais, ils ont droit à l'information, qu'ils sachent qui est cet homme. Dire que c'est Rachid Kasereka, c'est déjà de la tricherie, ce n'est pas ce nom. Mweze Kongolo l'a même dit dans son livre, c'est faux, c'est une façon de donner toujours ce qui est modifié, toujours ce qui est mauvais, ce qui est faux. Donc voilà un peu, lorsqu'on parle de faits liés à cet assassinat-là, on ignore, monsieur Arnaud Zeitman devrait partir par les faits réels liés à cet assassinat. Son rapport n'a pas de forme. C'est des conclusions sans fond,
c'est des conclusions liées sur la forme, sur les sentiments, sur les analyses, sur les imaginations, les déductions, effectivement. Comme il fait en arrondissant 36 jours en moins de 24 heures, c'est exactement ce que Moïse Kongolo, ce que Joseph Kabila, ce que l'équipe qui était au pouvoir en ce moment-là et qui continue à être au pouvoir jusqu'à cette heure. Ça, c'est ce qu'ils ont fait pour essayer de détourner ce qui est vrai en faveur de ce qui est faux. Le flou qui règne dans ce dossier, les contradictions, la confusion a été inventée, a été inventée. Lorsqu'ils parlent de M. Georges Mirindi comme complice présumé de l'assassin, ça, c'est une façon de cacher exactement ce qu'ils savent. Ils savent, mais ils ne veulent pas. Ce qui fait que, vite, ils ont non seulement biaisé les enquêtes, mais aussi politisé les procès, incriminant injustement des pauvres Kivusiens qui n'ont pas qui les défendre. C'est ça exactement ce qui fait que nous avons toujours revendiqué, nous avons toujours exigé qu'il y ait un procès pour cette affaire, pour que les vrais coupables soient connus, qu'on libère les innocents. Et aussi, une autre chose qu'on ne doit pas ignorer, le procès a été un moment pour les malins à mélanger les choses. C'est-à-dire, ils ont ces crimes, l'assassinat du président, c'est un crime qui est entouré de beaucoup de crimes. Alors, ils ont pris les criminels, ils ont mis dans les dossiers. Ils ont condamné avec des innocents originaires du Kivu ou des innocents qui travaillent dans les bureaux du colonel Eddy Kapendre, comme par exemple le colonel Gordon Dalabo Kunda, juste puisqu'il était dans les bureaux du colonel Eddy Kapendre, il mérite aussi d'être condamné tellement il fallait allonger la liste pour bien cacher la vérité. Il y a des pauvres Kivusiens qui ont été arrêtés, par exemple, de Brazzaville, acheminés à Kinshasa par Moïse Kongolo, qui était à l'époque le ministre de la Justice. Tout ça, ils savaient que ces gens qu'ils étaient en train d'arrêter inutilement et gratuitement étaient des innocents. Moïse Kongolo les savait très bien lorsqu'il partait négocier avec les gouvernements de l'autre côté du fleuve les transferts de ces pauvres Kivusiens qui avaient fui plusieurs mois, deux ou trois peut-être, bien avant la mort du président, Moïse Kongolo, ministre de la Justice, qui savait aussi qu'ils étaient des innocents, à part la centaine qu'ils ont ramassée par-ci par-là de Kinshasa, ils ont ajouté d'autres qui étaient déjà au HCR à Brazza, juste pour distraire l'opinion, pour qu'on ne dise pas qui a fait quoi. Et aujourd'hui, on dit Georges Mirindi, elle est complice de celui qui a tué le président, dans un plan de fuite qu'ils ont imaginé. Le témoignage du major Moutipaï, qui était un commandant bataillon au GSSP, Moutipaï qui disait au procès être entré exactement au lieu du double crime, il a rencontré les cadavres de celui qu'ils appellent assassin. Moutipaï affirmait que lui a vu, il avait vu le corps de celui qu'ils appellent assassin, l'arme de cet assassin dans sa gaine et autour du cadavre, à sa ceinture, là où l'arme doit exactement se retrouver. On peut se poser l'exercice de savoir, quelqu'un qui vient de tuer le chef de l'État, qui a un plan de fuite entre parenthèses, mais qui laisse un témoin si réellement cet homme-là avait un plan de fuite après avoir tué le chef de l'État? Comment peut-il avoir un plan de fuite et puis il laisse un témoin, lui qui a besoin du secret? Quel secret pouvait-il garder alors qu'il venait de laisser un témoin qui l'a vu? Comment peut-on imaginer quelqu'un en train de fuir dans ce qu'ils appellent plan de fuite? Il rencontre un obstacle, un certain Chiribagula. Il n'ose même pas tirer sur Chiribagula. Il ne tire pas sur lui. Pourtant, il a un plan de fuite bien préparé selon eux. Bien plus,
Il y a Chiribagula qui a défendu, il a dit à Eddy Capen, s'il vous plaît, ne le tuez pas, il doit parler. Il doit parler, c'est un conseil sage. Mais Antioua, c'est lui qu'ils appellent l'assassin. Ils ont tué la vérité, ils ont voulu tuer, ils ont tué cet homme pour protéger quelque chose. Et ce quelque chose-là sera un jour connu lorsqu'il y aura une commission d'enquête libre et indépendante. Lorsqu'il y aura une commission d'enquête qui se basera sur les faits, pas sur les sentiments, pas sur le tribalisme, pas sur les règlements de compte où on veut par exemple noyer X, alors il faut l'accuser de rage. Non, lorsqu'il y aura une commission d'enquête qui se basera sur les faits, par exemple la veille de la mort du président, mais il y a eu des armements de toute la ville de Kinshasa. Le camp Kokolo, tous les militaires, le camp Tchatch, tous les militaires, sauf quelques unités, tous les militaires ont été désarmés la veille. Ça, ce n'est pas un élément isolé. C'est lié directement en prévision des événements qui allaient suivre, puisque le général qui désarmait les militaires disait très bien, je donne l'ordre de désarmer les militaires pour contrer toute agitation des troupes. Alors, si nous avons des oreilles pour comprendre, nous comprendrons un jour. Sinon, je crois, moi, qu'il y a le temps de dire la vérité. Mais on parle tout de même de votre séjour à l'Est et au Rwanda. Bon, qu'en dites-vous? Oui, Arnaud Zeitman me présente comme ayant eu des liens avec les gens du RCD ou bien avec les Rwandais. Ça, ce sont ses sentiments à lui. Il fait ses interprétations, il fait ses déductions. C'est-à-dire, vous vous imaginez, je viens de survivre, je suis un rescapé des exécutions extrajudiciaires. Je suis en train de fuir tout un gouvernement qui a voulu me tuer. J'ai échappé de justesse. Je suis à la recherche d'un soutien, d'une mourante vie. Je déplais partout. Je ne peux que chercher où me protéger. Et à l'époque, à part le fait que Bukavu c'est chez moi, naturellement je ne peux que vouloir être consolé par mes parents. Ceux qui me sont les êtres les plus chers, c'est ma mère, c'est mon père, c'est ma famille. À Bukavu, c'est chez moi, naturellement. Et aussi logiquement, ils sont des opposants au régime. Nous ne pouvions qu'y aller pour demander soutien. Qu'est-ce que nous sommes allés demander aux gens du RCD, au fait? Nous avions écrit en 2003, peut-être vers les mois de juin ou juillet 2003, nous avions écrit une lettre au président de la République, Joseph Kabila. Nous lui demandions, primo, libérer les innocents. Il connaît très bien que ce sont des innocents qu'il détient en prison. Segundo, créer une commission d'enquête libre et indépendante. Cette commission d'enquête libre et indépendante, qui devrait être dotée de tous les moyens et de tous les pouvoirs, pour qu'il y ait une enquête exactement, cette enquête-là pouvait conduire peut-être à un procès. C'est ce que nous sommes allés demander aux gens du RCD, puisqu'ils étaient des opposants du régime. Si donc M. Arnaud Zeitman, dans ses sentiments, dans ses déductions, il pense que puisque nous avons été au RCD, alors ils sont nos complices, qu'ils disent aussi alors, s'il le faut, que puisque juste après nos souffrances à Kinshasa dans le GLM, où nous avons été torturés, il n'a même pas fait allusion à nos tortures, nos souffrances. Mais nous avons des corps coupés et Arnaud Zeitman le sait, ce n'est pas un secret. Au GLM, c'était les souffrances, c'était les violences, les tortures. Il n'en fait même pas allusion. Nous avions échappé à des exécutions extrajudiciaires. Il le sait pourtant. Lorsqu'on tue même des expatriés, c'est-à-dire après avoir échappé à cette série noire des exécutions du GLM, nous ne devrions qu'aller exactement là où il y a les opposants. Et les opposants, c'est qui? Nous pouvions soit aller au MLC à l'Équateur ou alors au RCD à l'Est, faute de moyens. Bora Kamwanya qui avait son argent.
comme c'était un homme d'affaires depuis longtemps. Mais lui a directement fait la Belgique et les deux gaillards qui devraient nous tuer. Faut-il dire que puisque Bora a directement fait la Belgique, alors la Belgique est complice de Bora? Non, mais non. Ça, c'est une façon sentimentale de juger ou de déduire ou d'interpréter. Ça ne concerne que M. Arnaud Zeitmann. Aussi, comme je lui ai bien dit, on ne peut pas interdire à quelqu'un qui veut dire de s'exprimer. Il a dit ce qui est dans... c'est son état d'âme. Je ne vais pas ne pas imaginer qu'il est naïf ou qu'il a fait son travail sur base de ce qui est en lui. Mais qu'à cela ne tienne, ma conscience est celle de mes consorts. Ma conscience est bien tranquille. Nous ne faisons qu'attendre les bons moments. Les bons moments, c'est lequel c'est le moment des enquêtes libres et indépendantes. Nous ne voulons pas nous donner ou nous mettre à commenter les états d'âme de quelqu'un qui est au service de X ou bien de Y. Quelqu'un qui veut se dédouaner de ses responsabilités dans les événements dont lui a été le responsable numéro 1 ou numéro 3. Par exemple, celui qui était le ministre de la Justice de l'époque. Un ministre de la Justice dont la célébrité, c'est les massacres, les tortures, les exécutions extrajudiciaires. Un homme comme celui-là, il ne peut que vouloir se dédouaner. Et moi, je ne vais pas juger ses états d'âme. Attendons le moment viendra où une commission juste et équitable viendra. Et alors là, chacun pourra répondre peut-être si nous aurons cette chance. Malheureusement, plus les années passent, plus certaines preuves disparaissent. Ils ont pris toutes les dispositions pour effacer une série de preuves. Mais heureusement, cette fois-là, leur plat avait échoué. Ils ont voulu nous donner la mort effectivement pour faire prévaloir ce qu'Arnaud Zeitmann est en train de dire aujourd'hui. Dieu a décidé autrement. Leur plan avait échoué. Ils nous ont conduits pour aller nous tuer afin de faire prévaloir ce qu'Arnaud Zeitmann est en train de faire pour eux aujourd'hui. Et puis, Arnaud Zeitmann dit que lui est contre les versions du procès et pourtant il s'inspire du même procès à 100%. Il n'a rien introduit de neuf. Malheureusement, il n'a fait que confirmer. Il a mis en surbrillance les versions du procès, bien sûr en écartant tous les faits réels liés à cet assassinat, en se basant sur les rumeurs inventées, les mensonges, les montages et les mises en scène. C'est ça exactement. Tout le monde a la soif de savoir exactement comment est-ce que le président Kabila a été tué. Alors, s'il faut faire de lui un héros subitement pour qu'on se cache derrière cette histoire que voilà, il est héros, qui a fait de lui héros? Mais nous savons aussi que Lumumba a été proclamé héros par celui qui l'a tué, qui ne connaît pas cette vérité au Congo. Les Congolais, nous devrions plutôt être patients et attendre les vrais moments. Ce n'est pas le fait de se proclamer en route à la télévision, je suis c'est les gardiens de l'idéologie de Mzé, je suis, ok, vous êtes. Mais pourquoi vous n'avez pas contribué, vous en tant que ministre de la Justice, vous en tant que chef d'état-major, vous en tant que président, à rassembler les données exactement liées à cet assassinat pour faire la justice et montrer exactement les vrais criminels? C'est puisqu'il y a ce que vous connaissez, que vous voulez cacher, et maintenant vous sacrifiez Georges Mirindi, vous dites Rachidi, mais prouvez. Imaginons que la commission d'enquête des alliés, les Zimbabwéens, les Namibiens et les Angolais, là où ils sont, ils savent qu'ils ne m'ont jamais rencontré, je ne les ai jamais rencontrés. J'ai été empêché de pouvoir rencontrer cette commission. La journée du 27 février 2001, je l'ai passée où? À la cité de l'OIA. La commission est là. Elle a été créée le 7 février, au retour de Joseph Kabila des États-Unis. Cette commission créée après deux commissions, les deux premières commissions, les commissions qui ont faussé les choses,
la commission d'IGLM qui consistait à torturer, à tuer, à nous couper, à faire tout ce qu'ils veulent. Et la commission de non-Lutula qui constituait à mettre sous PV et sous torture, bien sûr. Lui-même, non-Lutula qui se retrouve aujourd'hui accusé. Gratuitement, comme il y avait aussi des règlements de compte, eh bien, on l'a ajouté. Ce qui veut dire que les Kivusiens ont tué le président Kabila, mais pourquoi ils n'ont pas le courage de reconnaître, comme le président leur disait, que les Kivusiens ont fait de lui un président de la République pendant qu'il tuait Massasu, j'ai vu dans les films de M. Arnaud Zeitman, pendant qu'il tuait Massasu, Massasu leur disait, je n'ai rien à parler avec vous. S'il y a à parler, je préfère parler avec Kabila, qui connaît qui je suis pour lui, parce que c'est moi qui ai voulu qu'il devienne chef de l'État. Et qu'est-ce que cet homme-là a contre le président? S'il dit ça alors qu'il est en train d'être tué, vous pouvez dire que les Kivusiens ont tué le président, puisque effectivement vous ne voulez pas être aperçu, puisque vous ne voulez pas assumer exactement ce que vous avez fait, alors vous orientez, vous choisissez des pistes, vous les alimentez, vous donnez des vidéos à Arnaud Zeitman, vous lui donnez une mission qu'il a à faire pour vous, une campagne médiatique. Eh bien, attendez, créez plutôt les conditions de la vérité, ne cachez rien, soyons francs, parlons. Oui, M. Mirinde, est-ce que vous avez des projets, un livre ou quelque chose? Oui. Pour démontrer vos vérités, si on peut dire ainsi. Le projet, je l'ai depuis que j'ai échappé de justesse à la mort. Malheureusement, vous savez, comme rescapé, j'ai des priorités. Depuis toutes ces années-là, je ne fais que survivre, survivre. Je cherche d'abord la survie pour moi-même en tant qu'individu, pour ma famille, elle-même victimisée inutilement. Qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? J'ai des manuscrits, j'ai mes écrits, je prépare là-dessus un livre où exactement je devrais donner plus ou moins d'une manière détaillée tout ce que je viens de dire ici. Et ce livre-là, je croyais, ça devrait sortir, je devrais les publier les années passées, mais il faut la disponibilité physique, il faut les moyens financiers, il faut la sécurité, j'ai manqué un peu de tout ça. J'ai foi, j'espère que ce livre-là va sortir bientôt. Je tiens, je voulais vraiment que ce livre sorte le plus vite que possible. Je suis en train d'y travailler. J'espère que d'un moment à l'autre, je pourrai publier ce livre qui retrace non seulement la situation dans laquelle j'ai été arrêté, mais aussi les réalités liées, bien sûr, les réalités que je connais, ce que j'ai vu, ce à quoi j'ai survécu, les faits. Par exemple, lorsque on désarme les militaires à la veille de la mort du chef de l'État, c'est un fait qui ne vient pas du hasard. Par exemple, lorsque nous découvrons des armes dans l'avion du chef de l'État le 3 janvier 2001, ce n'est pas un fait du hasard. Lorsque, par exemple, le matin du 16 janvier, il y a un discours qui nous a été tenu, les détails dans ces livres. Lorsque, par exemple, nous sommes sous les tortures, les différentes étapes de nos souffrances, la façon dont j'ai pu survivre jusqu'à cette heure, tout ça, les détails, les éléments, les documents même qui montrent comment est-ce que les montages ont été faits. Par exemple, l'histoire des Libanais. On dit à Arnaud Zeitman, non, il y a eu un marché qu'on n'a pas voulu donner à un Libanais, alors il finance la mort du président. Mais financer la mort, donner la logistique, qu'est-ce que ça veut dire? Le président a été tué de 4 ou 5 balles. C'est le Libanais qui a donné l'arme? Je ne sais pas. Qu'on nous montre cette arme, et puis là on saura qui a donné cette arme, si c'est ça la logistique dont on parle. C'est-à-dire, il y a des documents que je vais publier dans mon livre, des documents relatifs au contrat de diamants donné à ED Diamond, la société que M. Arnaud Zeitman présente comme celle qui a récupéré les marchés du Libanais, du diamant. Ces documents, il y en a. Je vais les publier.
les documents que M. Arnaud Zeitman fait lire, les communiqués dans les films de M. Arnaud Zeitman où il dit oui, Georges Mirinde a accepté les crimes, Georges Mirinde a promis pour demain. Je vais publier ces documents, vous les verrez, ils sont datés du 22 janvier 2001. Mais Arnaud Zeitman, au service peut-être de X ou de Y, ou peut-être naïf, ou il ne sait pas, puisque, au fait, le gouvernement de Joseph Kabila, M. Mweze Kongolo, qui en était le ministre de la Justice, sont eux qui ont fabriqué, sont qui ont inventé ce que M. Arnaud Zeitman a présenté. Ils ont fait ça avec Charles Alamba. Ils ont fait ça tous ensemble et tous ceux qui ont suivi les procès, ils connaissent tout ce que M. Arnaud a dit. Mais ici, la campagne médiatique, exactement, c'est parce que ils veulent à tout prix se mélanger parmi les innocents. Ils veulent montrer, au départ c'était les Kivusiens qui ont tué les présidents, tout Kivusien a tué les présidents, maintenant ils changent de stratégie pour chercher à innocenter leur messieurs. Ils disent maintenant, les Kivusiens, ce sont des innocents. Mais aussi tout le monde est innocent, sauf Georges Mirindi. Mais Georges Mirindi, s'il n'est pas innocent, il est quoi? Mon livre va donner des réponses supplémentaires. Je viens d'en donner déjà ici. Ce livre va sortir d'ici là. Oui, bon, merci beaucoup, M. Georges Mirindi. Je vous remercie aussi. Je salue tout le monde qui est en train de nous suivre. Et puis, à bientôt donc, certaines réalités vont sortir. Et puis, je vous remercie aussi. Merci.